Salut, c'est Rock, la voix du rock. Bonjour, c'est Folk, la voix de la folk. Et bienvenue dans ce tout premier visio-confiné. La semaine dernière, on vous a demandé de nous envoyer des vidéos pour nous raconter un peu votre confinement. Pour nous raconter ce que vous vouliez, d'ailleurs. Et merci, hein, d'ailleurs, de vos très nombreuses... Non. De vos nombreuses ? Mais non. Bon, bah, merci, hein, pour vos 4 participations. Comment ça, 4 ? La 5e, c'était toi en train de faire l'hélicoptère avec ton pénis. Et alors ? C'était sujet libre, on avait dit. Libre, d'accord. Mais dans le respect des conventions de Genève. Exhibitionniste. Bref, on démarre tout de suite avec un premier message d'auditeur. Salut Rock, salut Folk. Je voulais vous dire que pour moi le confinement c'est dur. Désolé. J'écoute de la musique sur internet. Et ce putain d'algorithme met toutes sortes de musiques. La semaine dernière déjà, ma femme m'a quitté parce que j'écoutais en boucle Hotel California. La version des Gypsy Kings. Elle pouvait pas partir à cause du confinement, donc on a divisé la maison en deux. Elle a le salon, la cuisine et la chambre. Merci beaucoup pour ce message. Alors, ne le prends pas mal, mais j'ai l'impression que tu t'es fait un peu enfler dans la séparation des pièces. Une semaine d'Hôtel California version Gypsy King ? Bah la cave, moi, je l'aurais foutu. Petit hommage à notre programmateur, hein, on aura quand même diffusé 30 secondes de Christophe Maé sur Rock'n'Folk Radio. Et on dit merci qui ? Merci Jackie et Michel. Mais non, on dit merci le confinement. Et on enchaîne d'ailleurs tout de suite avec un deuxième message. Salut les gens, salut Rock'n'Folk. 30 secondes pour expliquer ce que j'ai fait moi pendant mon confinement. Et ben tous les jours une chanson en vidéo à mettre sur mon Facebook, Marc à peu près, et avec un jeu pour tous ceux qui likaient les chansons. Donc j'ai eu plus de 2000 likes pour gagner un t-shirt pour un mec et un t-shirt pour une femme de ce style là. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, ciao. Eh ben voilà, super initiative, Marc. On félicite les gagnants qui recevront bientôt ce t-shirt où il est écrit Covid-19, never forget. Moi, perso, je pense que je suis pas prêt de l'oublier, cette salope de virus. Hein. Ouais, bah regarde les balles musettes improvisées un peu partout le week-end dernier. Non, non, moi je te le dis, il est d'utilité publique, son t-shirt. Et pour finir, Joe Exotic, la star du documentaire événement Tiger King, nous fait le privilège de venir ici, pousser un coup de gueule en direct de son confinement. Lui, ça fait déjà un an qu'il est confiné. Non, mais c'est un pro. Hein. Du coup, il a peut-être des conseils à nous filer, non? On t'écoute, Joe. A little bit of Tiger Love. Vous entendez, c'est ma voix. Alors, s'il y a des petits malins qui disent que c'est pas mes chansons dans le film, sur ma vie, Tiger King, que vous regardez tous en ce moment sur Netflix, faux. C'est mon cerveau, c'est moi qui ai commandé les chansons au Clinton Johnson Band. Vin Johnson et Danny Clinton, qui lui est mort, paix à son âme. Maintenant, je peux enfin me concentrer et faire mes chansons. Parce que j'ai que ça à faire là où je suis. Prenez soin de vous et de vos animaux. Parole de Joe. Just a little bit of tiger. Yeah. C'est bon ça. Oh là là, merci monsieur Exotique pour ce témoignage émouvant. Attends, mais t'as compris quelque chose à ce qu'il a dit, toi ? Mais bien sûr que non, mais c'est normal, c'est un cinglé, t'as vu sa coupe ? Bon, bah voilà, c'est la fin de ce premier visio confiné, on remet ça pas plus tard que la semaine prochaine. Alors continuez de nous envoyer vos vidéos, toutes les infos sont sur le site et les réseaux sociaux de Rock'n'Folk. Et on aimerait bien des messages de la gente féminine également, si c'est possible, hein, parce que là, ça sentait fort la virilité. Ouais. Allez, prenez soin de vous et restez chez vous. Salut, c'était Rock. Au revoir, c'était Folk. We'll be right back.